première fois que vous voyez cette transformation? Une Kora. K-O, accent circonflexe, R-A. Une Kora. C'est un instrument qui est joué par les griots. Les griots, je ne sais pas si vous avez une fois entendu ça. Les griots, ce sont les gens qui sont la mémoire des hommes par la parole. En Afrique, c'est eux, c'est les griots qui célèbrent les baptêmes, les mariages, les cérémonies. Pourquoi ça s'appelle le Kora? Pourquoi ça s'appelle? Le Kora. Kora? Bon, il est venu comme ça, on trouve que ça s'appelle la Kora. Moi, mes grands-parents, ils ont trouvé comme ça. Mais c'est qui a inventé ça? C'est un griot qui s'appelle Surukuna Sissoko qui a inventé ça. Il vient de ton village? Non, il vient du Mali, d'Ampimanen. Du Mali, oui. Pourquoi tu t'as donné envie de jouer de cette instrument? Oui, parce que c'est ça que je vous dis. Mon papa, il joue ça. Moi, j'étais tout petit, mon papa, il me met sur ses jambes, comme ça, il joue. Et puis, il me montre les notes et tout. Et puis, moi aussi, avec mon papa, je prenais des leçons jusqu'à ce que j'ai commencé à jouer. Parce que ma maman aussi, c'est une griotte. Ma femme, on les appelle des griottes. Et ma maman aussi, elle chante. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai commencé à faire de la musique, à aller à l'école, à faire de la musique. Maintenant, on va commencer. Je vais commencer à faire des contes. Après, en ce moment, on peut poser aussi des questions par rapport à des contes. Vous êtes prêts? Oui. Bon, on va commencer. L'arbre, couche-toi mon pied, mon voyage est très étroit, je te cacherai, n'aie pas peur, les stations ne te trompent pas. Oui, mon Dieu, Vénam, Détila, salut, mon Dieu, Vénam, Détila, salut, mon Dieu, Vénam, Détila, oui, mon Dieu, Vénam, Détila. Jusqu'au sol. Je demande la permission à ma maîtresse ou à mon maître.